À ce propos, vous croyez que je serais acceptable dans le rôle ? Acceptable, j'en suis sûre. Oh, bien sûr, ce sera différent de ce qu'aurait fait Jean Kléber, mais je vois déjà très bien comment le composer, ce rôle, sobrement et avec naturel. Bon, évidemment, moi, je ne suis pas comédien, mais... Oui, vous n'êtes qu'un petit agent d'assurance, oui, c'est ça. Tout petit, oui. Oh, j'ai une bonne situation, mais à cette heure-ci, je devrais plutôt dire que j'avais une bonne situation. Et pourquoi ne vous la garderait-on pas ? Non, j'ai peur que pour mes chefs, le cinéma, ça ne fasse pas très sérieux. Mais vous allez gagner beaucoup d'argent ici. Ça, oui, beaucoup même. Ils m'ont dit 50 000 francs. C'est un début. Oui, l'ennuyeux, c'est que le studio est loin et les taxis sont chers. Mais avec 50 000 francs, j'y arriverai quand même. Oh, mais c'est 50 000 francs par jour. Pardon ? Vous le savez pas. Non, sans blague. Mais oui, et vous avez accepté quand même. Non, tout d'abord, j'avais refusé net. Seulement, vous êtes entré et quand j'ai su que ce serait avec vous, ça a suffi. Oui, vous l'avez dit, ça suffit. Je suis un de vos grands admirateurs, vous savez. Vous êtes un enfant. Moi, au contraire, je suis très sérieux. Eh bien, reste-le. Bien, ben, je ferai de mon mieux pour vous plaire. Eh bien, voilà, seulement il ne faut pas. Je ne vous inspire pas confiance ? Non, pas trop. Ça doit être à cause du scénario. Ah bon, et pourquoi ? Une idée, comme ça. Eh bien, il est archi faux, le scénario, j'en suis sûr. Ah oui, pourquoi ? Une idée, comme ça.